tous. Allez, c'est parti pour un petit cours d'abdos combiné avec un peu de cuissée de fessier. Et on va commencer par s'échauffer. Vous ouvrez bien, pointe de pied sur l'extérieur. On inspire, on tire vers le plafond. Encore une fois, on inspire, on se grandit. On relâche. On se cale en dos plat. Donc je me mets de profil. Vous allez aligner la colonne vertébrale, vous inspirez. Dos rond, vous soufflez. Basculez bien le bassin, c'est l'abdos fessier. Dos plat, inspire. Dos rond, souffle. Dos plat, inspire. Déroule le dos petit à petit, les bras vers le haut. Et attrape le plafond. Restez bien fléchis, bien gainé. Rentrez le ventre, souffle, inspire. Allez encore. 8, 7. Agrandissez-vous, dégagez bien le menton. 4, 3, 2. On grandit plus. On inspire, on relâche. Squat en deux temps, tranquillement. Genou, axe, cheville. Serre les fessiers, serre les abdos. Pousse. Encore une fois, pas de genou qui claque. On accélère. 8, 7, inspire. Encore 4, 4, 3. On en fait encore 2, inspire. Taille pincée sur les côtés, pince à droite, pince à gauche. Restez fléchis, rentrez bien le ventre. Inspire. Encore 8, 7. 4 encore, 4, 3, 2, vous ramenez les mains à la poitrine, inspirez bien, je me mets de profil. Dos rond, repoussez le mur devant vous, soufflez, serrez l'abdos fessier. Levez les bras, inspirez, relâchez, restez ancré dans le sol, bras devant, rotation et tourne, tourne. Par contre, on ne bouge pas les hanches, c'est vraiment le haut du corps. Inspire, encore, 8, 7, 4 derniers. 4, 3, on revient, dernière fois, on ramène, on inspire, dos rond, souffle bien, on va se grandir vers le plafond, on inspire, on relâche et tout se passe au sol. Allez, on s'installe sur le dos, donc on va bien dérouler sa colonne, on commence pied largeur bassin ou bien genou poitrine, c'est comme vous voulez, vous allez placer les mains derrière la tête, vous dégagez bien le menton et forcément il faudra rentrer le ventre. Relevé de buste, on va monter doucement la tête et les épaules et revenir. On va partir en deux temps. Lève, lève, replace, replace. Souffle en haut, inspire en bas. Donc surtout pour garder le plafond, vous ne forcez pas sur la tête, vous ne ramenez pas du tout les coudes vers le visage. Dès que vous levez, vous soufflez, vous aspirez bien votre nombril et on revient. Alors, si ça va bien, vous ne reposez pas la tête au sol. Souffle, inspire. Encore une fois, lève. On accélère et en haut, en bas. Souffle, inspire. Ha. Allez, sans tirer sur la nuque, on fait attention à son cou. 4, 3, 2, 3 petits là-haut et 3, 2, 1 et replace. Souffle, 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 inspire. Ne faites pas d'apnée, respirez. Encore. 3, 2, la même chose, encore, allez, 3, 2, souffle, encore, lève, 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 replace, 3, 2, encore une fois, souffle, allez, un temps, on est reparti, en haut, en bas, en haut, en bas, souffle, souffle, allez, 4, 3, 2, que des petits non-stop. Lève, lève. Allez, sans forcer sur la tête. Souffle, souffle. Encore une fois, il vous restera deux séries. Lève, lève encore. 4, 3. On part en un et en bas, en haut. Inspire, souffle. Allez, contracte. Encore 4, 3, 2. On termine petit et lève, 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 lève encore, souffle, souffle, 8 ans, 8, 7, attention, 4, 3, vous allez bloquer, vous restez, on va ensuite reposer la tête, placer les mains sous le bassin, allonger les jambes vers le plafond, décroiser, pied flex, adducteur en deux, on ouvre. On inspire, on souffle, on referme. Par contre, vous serrez quand même votre nombril.
Si on est un peu raide, on plie un peu les genoux très légèrement. Accentuez bien les talons vers le plafond. Ça va tirer dans les mollets. Encore une fois, inspire. Accélère. Ouvre. Ferme. Donc là, on part sur intérieur cuisse. Inspire. Souffle. Allez. Encore. 4. 3. 2. 3 petits à l'écart. 3. 2. Soufflez. 3. 2. Soufflez. 3. 2. Encore une fois. 3. Et enfin, c'est reparti. Pour 8. Souffle. 7. Souffle. Encore. 4. 3. 2. Il reste 2 séries. On reprend 3 petits. 3. 2. Soufflez. 3. 2. Encore. 3. 2. Encore une fois. 3. On termine sur un temps pour 8. Allez. Et 8. Souffle. 7. Souffle. Inspire. Les 4 derniers. 4. 3. 2. Croisez les chevilles, genoux, poitrine. Soit vous gardez les mains sous le bassin. Option 2, bras le long du corps. Option 3, on reprend main derrière la tête. Quel que soit votre choix, vous rentrez le ventre. Et on part en enroulé de bassin, abdos du bas. Enroule, déroule. Enroule, déroule. Souffle. Donc vous enroulez, mais attention à la réception. Ne claquez pas le dos. Il faut vraiment faire attention. Enroule, replace. Soit voilà. Soit bras le long du corps, ça c'est l'option intermédiaire. Ou alors, plus facile, main sous les fesses pour faire un petit départ. Surtout, on ne repose pas les pieds. Plus difficile, reprendre les relevés de buste, mais en statique. Attention au cou. Enroule, replace encore, souffle. Pareil, hein, toujours le ventre à bien rentrer. Encore deux fois, souffle. Trois petits. Trois, deux. Encore. 3, 2, même chose, souffle, 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 allez, 3, 2, encore, on garde le même tempo, 3, 2, encore, allez, contracte, 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 souffle, 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 encore une fois, hop, un temps reprend pour 8, 7, souffle, allez, encore. Hop. Encore deux fois. Et on va faire une dernière série. On va garder le même tempo. Allez, de nouveau. 8 et 7. Souffle. Allez, 4. 3. 2. Dernier. Vous reposez les pieds largeur bassin. Si vous voulez corser, vous vous mettez sur les talons. Gainez, fessiers de temps. Et... monte, serre les fesses, reviens et ne pose pas vraiment. Souffle. Inspire. Option de se mettre sur les talons. Donc là, c'est à vous d'engager. Serrez les fessiers, les abdos vous verrouillez bien, vous rentrez bien devant. Souffle. Inspire. Contracte. Accélère. Et en haut, en bas. Serre. Serre. Souffle. Allez, contracte, donc là c'est à vous de gêner, c'est pas juste monter, descendre et puis attendre que ça se passe. Encore 8 fois, allez pour 8. Et 7. Et souffle, inspire. Encore 4 fois. 4. 3. 2. On accélère là-haut et serre. Serre. Donc là on n'a pas le temps de descendre du tout. Serre. 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 Allez, vous engagez. 8. 7, ne lâche pas le nombril. 4, 3, et vous bloquez, restez. Serrez bien les fesses, serrez bien votre ventre, respirez bien, tenez la contraction. On tient encore 8 temps. 8, 7, 4 temps, 4, 3, on repart sur 1. Et en bas, en haut, en bas, serre. Allez, souffle. Allez, 4, engage. Allez, il faut que ça chauffe. Encore deux fois. Souffle. Accélère un peu. Et serre. 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 Allez,
Allez, souffle, souffle. Encore 8 fois. 8, 7, contracte, contracte encore. 4, 3, 2, bloqué. Gardez gainage, abdos fessiers. Respirez bien. On tient encore 8 temps. 8, 7, 4 temps et bon, ce sera 2 séries hein, statiques. On repart sur 1. Et en bas, en haut, en bas. Serre, serre. Attention, toujours une contraction bien volontaire. Souffle encore 2 fois. Serre, on accélère. Option se mettre sur les talons. Allez, serre. Serre encore, contracte, contracte. Encore 8 fois. 8. Allez, on ne lâche rien. 4 fois. 4. 3. Et tu bloques statique. Serre, engage, respire. On tient encore 8 temps. 8. 7. 4 temps. 4. 3. 2. Déposez votre dos. On étire un peu les fessiers. Ramenez les genoux à la poitrine. Attrapez vos genoux. Inspirez bien, front, genou, soufflez. On revient, on inspire, on va le refaire une fois. Allez, front, genou, vous soufflez. On repose la tête, pied largeur, bassin. Gainez les abdos, main derrière la tête. On croise épaule, genou, oblique, croise, pose, croise. Donc là, vous amenez le genou et l'épaule opposés. Le but n'est pas de fermer le coude et d'aller toucher le genou. Vous restez visage dégagé, les coudes restent ouverts. Ici, souffle et souffle. Dès que tu croises, tu souffles. Gainez bien, c'est-à-dire vous rentrez le ventre, vous fixez bien les lombaires au sol et vous détachez bien l'épaule, omoplate. Encore, souffle. Encore, croise. C'est un mouvement qui peut vous faire reculer à chaque fois. Alors pour éviter ça, bon déjà vous rentrez le ventre, vous fixez au sol. Et puis, vous reposez les pieds à chaque fois près du bassin. Encore, allez, croise. Souffle, encore. 8, 7. Encore 4 fois. 4, 3, 2. On répète d'un côté. Ici, tu vas fermer, ouvrir, plier, allonger, pied flex, mais sans claquer le genou. Encore. 4, pousse le mur, hop, encore 2 fois, souffle, allez, pose et change de côté, ferme, ouvre, souffle, inspire, veillez à ne pas claquer le genou, à ne pas gigoter au niveau des lombaires, le gainage est toujours là, pousse les pieds flex, souffle, on change, on est reparti pour 8, 8, encore, ha. Encore 4 fois, 4, 3, 2, on change, et 8, 7, encore, 4 fois encore, et puis après on va essayer de réduire un petit peu, encore 2 fois, souffle, on change, 4 répétitions, 4, et 3, 2, changez, 4, souffle, souffle, changez, encore, 4, 3, 2, on change, gardez les coudes très ouverts, regardez toujours là-haut, souffle, encore de l'autre côté, 4 fois, 4, pousse, 3, pousse, allez, bien dynamique, encore une fois, changez, et 4, 3, 2, changez, on fait deux répétitions, une entière et deuxième, tu poses le pied. Et une entière, deuxième, hop, et tu poses le pied. Ferme, ouvre, fermez, pose. Souffle, et ferme, ouvre, ferme, et pose encore. Ferme, ouvre, ferme, pose encore. Hop, hop, dernière fois ici pour deux. Escalier direct, et sans poser, pousse, pousse, inspire, tu souffles d'un côté, tu inspires de l'autre, ne claque pas les genoux, courage, ça se termine, encore, 2 fois 8, 8, 7, encore, allez,
8 derniers. 8. Allez, on est bien tonique jusqu'au bout des orteils. Encore 4, 3, 2. Et vous reposez. Posez les pieds, déposez le dos. Grandissez-vous les bras loin derrière. On inspire bien. On relâche. On remet les mains sous le bassin. Jambes là-haut. Allez, pieds joints, mais un peu fléchis. Vous gainez et là on part en papillon. Ouvre les genoux, ferme les genoux. Je vais mettre un tout petit peu de biais. Pour le placement des jambes, ouvre, ferme, ok? Les pieds restent au même niveau. Les jambes sont fléchies au départ. On n'a plus qu'à ouvrir, fermer. Ici, inspire, inspire. 4, 3, 2, et 3 petits. Ouvre, 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 ferme. 1, inspire et souffle. 3, 2, encore. 3, 2, encore. Ouvre, 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 ferme. Là, on reprend intérieur cuisse, mais il faut quand même rentrer le ventre. Encore une fois, 3. On part sur un temps et ouvert, fermé. Inspire, souffle, souffle. Encore. 4, 3, 2. On reprend 3 petits. 3, 2, 3, 2. Souffle. 3, 2. Encore une fois, reste une série. Allez, sur un. Et ouvert, fermé. Inspire, expire. Allez, sans redescendre le niveau des pieds, encore. 4, 3, encore deux fois, on s'accroche. On croise les chevilles, vous pouvez garder les mains sous le bassin. Ouvre, bras le long du corps, ouvre, main derrière la tête. Gainez, relevez le bassin sur un temps, plafond. Donc là, au lieu d'enrouler, on va chercher le plafond, mais donc sur le plan vertical. Souffle et réceptionne. De manière souple, ne claquez pas le dos. Encore. Allez, rentre le ventre comme pour créer un levier. Sentez que vous appuyez les lombaires au sol pour détacher un tout petit peu les fesses. Allez, donc soit bras le long du corps intermédiaire, sinon petit départ main sous les fesses. Souffle, plus dur. Reprendre, main derrière la tête en dégageant bien le menton. Allez, souffle. Encore. 8. 7. Contracte, sans prendre d'élan, donc sans secouer les genoux. Hein. Allez, encore deux fois, lève, accélère, pousse, contracte, lève, lève encore, lève, lève. 8 fois, 8, 7, souffle, souffle, souffle. Même tempo, encore, encore. Allez, lève, 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 lève. Allez, toujours sans prendre d'élan en lançant les jambes. Le mouvement part vraiment des abdos. On rentre le ventre. On reprend doucement. Et 8, 7, souffle, souffle, 4, encore 2. On garde le même tempo. On change le croisement des chevilles. On fait 8 mouvements. 7. Donc, il y a un croisement qui vous paraîtra plus naturel. Essayez quand même avec l'autre cheville. Hein. Encore deux fois, souffle. Accélère. Lève, lève. Ha, ha. Souffle, souffle. Encore 8, 7. Contracte, contracte. 4. On reprend doucement pour 8. Et souffle, souffle. Allez, 4. Encore deux fois. On accélère. Dernière série. Lève, 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 lève. Souffle. Voilà, donc trois bras le long du corps. On peut corser. Main derrière la tête, ça se termine. Allez. Pique 4, 3, 2. Et on relâche. On pose la tête. On allonge même les jambes au sol. Et on va se grandir de la tête aux pieds. On inspire, pied flex. Et on souffle, on relâche. Encore une fois, on inspire bien à fond. On relâche et vous ramenez les pieds pour ensuite attraper la cuisse droite en dessous. On inspire et on allonge la jambe, pied flex pour étirer la chaîne arrière.
Voilà, respirez bien. Relâchez, plongez, inspire. Allongez doucement la jambe, pied flex, ne claquez pas le genou. Puis vous allez relâcher, attrapez vos genoux, inspirez et front, genou, soufflez. Repose la tête et faites qu'une petite bascule où vous allez arriver en papillon. Ouvrez les genoux, collez les voûtes plantaires et enroulez vers l'avant. Étirez bien votre dos et les adducteurs. Déroulez, refermez main sous les cuisses, dos plat. On inspire et dos rond en arrière, soufflez, basculez le bassin. Vous pouvez rentrer le ventre aussi, serrer un peu les abdos et rentrer la tête. Dos plat encore, inspire. Dos rond, souffle, on a le temps. On revient. Vous allez ensuite pouvoir dérouler votre dos pour pouvoir se joindre debout. La tête en dernier. Et on termine à l'écart, on fait un peu les genoux. Allongez la taille. On change. Allez, une première grande inspiration vers le plafond, relâchez. Et une deuxième fois, on inspire. On tire vers le haut et hop, on relâche. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt.